Bonjour, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Je me suis dit qu'on pourrait faire une petite actu-voyance, hein, la bonne vieille actu-voyance d'époque, d'antan, j'ai envie de vous dire. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore mon actu-voyance. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, j'ai l'impression qu'il y a. Moi, je vais sur Internet, je regarde un petit peu les nouvelles, il n'y a pas grand-chose, hein. Y a pas, j'ai l'impression que plus ça va, moins on a nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Je sais pas. C'est toujours les mêmes trucs, tu vois. Alors, la liste de Schindler, j'allais dire la liste de Schindler, non, la liste d'Epstein. J'attends de voir. Moi, je vous ai dit, à moins qu'il se passe quelque chose. Ah, ça coupe, ça coupe et ça coupe. Oui. Je vois pas comment on pourrait tout divulguer comme ça. C'est pas possible parce que ça foutrait le monde complètement en l'air. Donc je pense qu'ils gardent certains noms pour au cas où. Alors, il y en a qui seront jamais divulgués, jamais, jamais, jamais. Alors même ce qui est bizarre, c'est que on parle beaucoup des États-Unis. Bon, ils ont été cités, mais pas beaucoup de la France, hein? C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est bizarre. Non, l'Europe, elle n'est pas trop touchée pour l'instant. Pour l'instant, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on nous balance un petit truc. Alors, je pense que tous les noms qui ont été balancés, c'est parce qu'ils ne servent plus à rien. Voilà, c'est bon, on peut les jeter en pâture, nanani, nanana. Mais je pense que en Europe, ça va être plus compliqué parce qu'on sait très bien qu'Epstein était ami avec Brunel, n'est-ce pas, ce Français. Et donc, il doit y avoir pas mal de monde quand même, hein. En France, j'entends, et en Europe, d'accord? Mais peut-être qu'on a encore besoin des Européens pour certaines choses, et par conséquent, on n'a pas trop envie de, tu vois, moi je pense que c'est ça. Ben oui, parce que si on commence à déglinguer les politiques, les juges, les artistes, que sais-je, en Europe, hein, j'entends, qui va contrer la Russie? Oui, parce que le projet, quand même, c'est que toute l'Europe se mette contre la Russie. Ah oui. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que ça ne bouge pas trop à cause de ça. Puis si tu ne veux pas bouger, ben c'est simple, comme ça, ils continuent de. Ben on continue avec les pions. Hein. Voilà. Donc, ce qui ne m'étonnerait pas non plus, du coup, c'est que si jamais il y avait des noms qui commençaient à être divulgués en Europe et en particulier en France, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait. Quelques attentats, voyez-vous? Ben vite, parce que voilà, tu vois, comprenez le cheminement, le truc. Bon, allez, je vais prendre mon petit paquet de cartes et on va voir tout ça. Enfin non, on va pas voir tout ça puisque je vais faire une actu-voyance, donc je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Ce sont mes cartes, le tarot politique, qui va me dire quoi qu'est-ce, comment et à quelle heure. À tout de suite. Oui, si je disais donc, alors aujourd'hui c'est le grand jour puisque je rends les clés de mon autre appartement aujourd'hui. Voilà, donc j'ai envie de vous dire après, bah, après je suis chez moi, enfin je suis ici, on va dire. Je suis ici. Il y en a des trucs à faire. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc j'en étais où? J'en étais à me dire qu'est-ce qui va se passer donc cette semaine ou la semaine prochaine. Hein. Il y a des travaux en cours. Par rapport à quoi? Je crois que je n'ai pas une bonne connexion Internet dans la cuisine. Parce que là, pour l'instant, je suis dans la cuisine. Je crois que je n'ai pas une bonne connexion, en fait. Hein. Ce qui m'énerve aussi, c'est que il me faut un micro. Un micro. Voilà. J'ai toujours un son pourri, moi ça m'énerve. Bon allez, oh le château, on va le remettre à l'endroit, le château, la carte du château. Attends, je vais enlever ça, peut-être parce que vous ne voyez pas. Bon, de toute façon, oui, je vous souhaite une bonne année, ça vous le savez. Mais on va l'enlever pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Ah là, viens là, toi. Alors, que va-t-il donc se passer cette semaine? Pour la France, ou ailleurs éventuellement. On va voir si ça va bouger. Ah, je vous ai parlé du pape, c'est quand?
c'est avant-hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une voyance, et je voyais des grands changements par rapport au pape. Alors, soit c'est des grands changements, soit, je vous ai dit, soit il, je sais pas, il quitte ce monde, hein, il y a un truc comme ça. Je me suis dit, c'est soit le pape, soit Biden. Et je crois que c'est le pape parce qu'il y a quand même, ça bouge un peu. Hein, et j'ai même vu, alors c'est bizarre parce qu'on a, j'ai pu voir un tweet où on parlait du pape par rapport à la liste de Epstein. Ouais. Vous ne l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu, moi. Vous imaginez? Oh, vous imaginez le scandale? Non, mais ce serait... Alors, ça... Bon, ben ça, ce serait la fin des haricots, ça. Non. Ce serait la fin des haricots. Attends. Bon, alors, de toute façon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et moi, je remonte la pente doucement, sûrement. Mais doucement, mais sûrement. Alors. Donc là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont sur écoute. Déjà, ça fait très longtemps qu'ils sont sur écoute. Mais là, plus que d'habitude, on surveille, on écoute, on regarde, on look. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui est sur écoute. Oh là là, ça va être mauvais. Il va y avoir des révélations assez sordides, à mon avis. Hein, parce que, bah parce que quand on commence à écouter comme ça, et ça va être très fort aussi. Allez, on y va. Avec ma clope au bec. Ah, je vous jure. Dire que j'avais arrêté de fumer, je suis dégoûtée. J'ai arrêté 5 ans quand même, hein, de fumer. Très mauvaise pour la santé, là, la cigarette. The cigarette. Alors, d'accord. Il y a une séparation avec une femme blonde. Ah, c'est peut-être... Alors, je ne sais pas qui elle est, cette femme-là. C'est laquelle? C'est celle-là. Je ne sais pas qui elle est. Alors, ça pourrait être aussi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tragique que prévu. C'est beaucoup plus tragique. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme blonde? Je ne pense pas que ce soit Elisabeth Borne. Ça pourrait, mais je ne pense pas. Non. Parce que c'est quand même quelque chose de très fort. Ouais. C'est vraiment une séparation qui déchire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pourquoi pas, tu me diras, je ne sais pas. Mais là, ça déchire le cœur, ça fait du mal. C'est une séparation sentimentale plutôt. Oh, là, là. Alors là, attends. Alors là, c'est Marine Le Pen. À moins que Marine Le Pen et sa... Comment elle s'appelle? Et comment elle s'appelle déjà? Sa nièce, Marion Maréchal. À moins qu'il y ait une bagarre entre les deux... assez costaud, c'est une première possibilité qu'elle se pouille un peu la tête, comme on dit chez moi, qu'elle se pouille un peu la tête, et sinon il va y avoir des gros, ouais, des conflits quoi, des conflits, mais des conflits aussi au niveau d'un, c'est bizarre ça, dans un bâtiment, alors ça doit être la guerre, hein. C'est ce qui se passe en ce moment, en plus c'est ça qui est bon. Ça qui est chiant, c'est que bon, bah, de toute façon, là, des conflits dans un bâtiment, dans la ville, encore la guerre israélo-palestinienne. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on se met en, comment dire, en marche par rapport à des... C'est quoi ça? Moi, j'ai l'impression que c'est une... Enfin, c'est pas une bombe. C'est où que c'est tombé, ça? Sur le château. Mais ça, c'est la police. La police. Mais c'est plus que la police. Vous voyez, ça peut être des services secrets, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ondes, des ondes. Tu vois, sur le château. Alors, peut-être que le château est sur écoute, bien évidemment. Et qui c'est ce mec-là? Attends. Service secret, il y a quelque chose avec les services secrets par rapport au château, hein, j'entends. Par rapport au château, hein. Par rapport à l'Élysée. Il y a les services secrets qui sont en train de faire des trucs, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop quoi, mes amis, mais ça bouge, ça bouge. Ah, bah dis donc. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça non plus. Alors, c'est quoi ça? Des nouvelles
C'est bizarre, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est étrange. C'est quoi ça? C'est bizarre, ça, quand même. Attendez, j'arrive pas à capter, là. À moins qu'il y ait encore un colis piégé ou un truc comme ça, ou alors une lettre étrange, mais une lettre qui, enfin, un courrier, ça peut être une lettre piégée ou ou un colis piégé, ou alors pourquoi du sang? Pourquoi je vois du sang? On ne peut pas mettre du sang dans une enveloppe, tu vois, ou dans un colis, je ne sais pas ce que c'est, hein. Bizarre ça. Bon, en tout cas, je peux vous dire que ce courrier, cette nouvelle, n'est pas bonne du tout. C'est quand même très, très, très mauvais. Ah, ça m'énerve, fais voir s'il n'y en a pas une autre. C'est bizarre, ça. À moins que ce soit des résultats, ça peut être aussi les résultats d'une. Comment ça s'appelle? Les résultats d'un, je sais pas, un compte rendu très mauvais, ou alors les résultats d'une prise de sang, tu vois, un truc comme ça, une prise de sang hyper mauvaise, c'est que c'est pas bon du tout, je sais pas, un truc comme ça, c'est bizarre, c'est trop bizarre, je vois du sang, donc c'est très, très, très étrange. Alors, il y en a un qui va faire, oh, ça doit être Darmanin, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart en tournée ou qu'est-ce soit? Pourquoi il est là, la forêt, la forêt, la forêt? Darmanin, ou alors c'est quelqu'un. Il y a aussi quelqu'un dans l'ombre qui se prépare, qui est caché. Tu vois, il se prépare, il attend quelqu'un d'autre, on va dire, hein, une espèce d'embuscade ou un truc comme ça. Ah, on parle d'enfants, des jeunes. Ah, c'est peut-être les enfants qui sont guéris à l'hôpital. Vous savez, les enfants palestiniens, là, qui sont. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles comme quoi. C'est bon, tel enfant a été sauvé, ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que là, c'est des jeunes et des enfants. Hein. On parle de guérison. J'imagine que c'est ça. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles de ces jeunes enfants palestiniens qui sont soignés à l'hôpital en France. Ou alors on va en accueillir d'autres. Hein. En tous les cas, ça se passe bien pour eux. Ah, grande réunion aussi au sommet avec une femme, cette femme-là, qui est-elle? Ah, d'accord. C'est peut-être Gisèle Maxwell, c'est ça? C'est peut-être elle. Hein. Il y a une grande réunion. Hein. Ah oui, bah oui, c'est par rapport à la liste. Ils sont en train de se concerter. Ils se concertent par rapport à cette liste. Et je crois qu'ils vont la convoquer, parce qu'elle sort de prison quand même, il faut le savoir. Si, il la sort de temps en temps. Hein. Il la sort de temps en temps pour justement parler avec elle, justement. Donc là, il y a une grande réunion. C'est peut-être Davos aussi. En tout cas, elle est bien là. Alors, ça doit bugger un peu, hein, parce que j'ai l'impression que ça bug un peu Internet là-dessus. Ça, ce sont. Oh, ben moi, je vois encore une attaque hein, sur un château. Sur un château, sur une. Oui. Un château, une institution, une attaque. Qui va faire des morts. Hein. Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai dit qu'il y avait quand même la notion peut-être d'un attentat assez costaud. Je vous avais parlé de Notre-Dame, tu vois, quelque chose de gros comme ça, tu vois, qui ferait le même effet. Voilà. En tout cas, il y a une attaque là sur un bâtiment, quelque chose. Hein. Alors, est-ce que c'est en France toujours pareil? Je ne sais pas. Tiens donc, c'est quoi ça? Ben, le pape. Qui est cette femme noire ou métisse et avec. Ah, d'accord. Non, là, on me parle plutôt, je pense qu'on me parle du prince Harry. Non, c'est pas ça. Le jeune, là, qui est marié avec la métisse, là. Je sais plus comment ils s'appellent, moi, ces deux-là. Je crois qu'on me parle de ces deux-là. Hein. Il y a quelque chose. On va entendre parler de ce couple. Harry et Meghan, c'est ça? Ah oui, Harry et Meghan, Marple.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se remarier? Je ne sais pas. C'est bizarre. Oui, je pense que c'est ça, hein, de toute façon. En tout cas, on nous parle de la famille royale. Voilà, comme ça, ça va être clair. La famille royale d'Angleterre, hein, j'entends. Ouais, il y a quelque chose avec la famille royale d'Angleterre. On va apprendre des choses. Mais surtout sur Meghan. Sur Meghan, oui, sur Meghan. Tu vois, c'est Meghan, ça. Hein. Moi, je pense que c'est Meghan. Hein. Ouais. Oh là! Alors là, il y a des choses qui se passent par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a une personne qui va être kidnappée dans une famille aussi. Ou alors, ce sont les... Ah, vous ne voyez pas. Ce sont les... Comment ça s'appelle les otages en Israël. Hein. Il y a des otages. Mais là, on parle d'une famille, plus d'une famille, tu vois. On parle bien d'une famille. Hein. Bon, ça, ce sont les journalistes. Ah là là, alors quel monde, dans quel monde sommes-nous tombés, mes amis, je vous le demande. Ce que je disais hier avec ma frangine, je disais, punaise, nous, on a quand même eu une belle enfance, une belle adolescence. Enfin, c'était bien à mon époque. Hein. C'était bien, c'était pas comme maintenant. Je dis, les pauvres enfants qui naissent maintenant, mais tu te rends compte, ils ont connu le coco, la guerre. Enfin bon, c'est tout pourri, quoi. Tout est pourri. Ouais, c'est dur. Hein. Bon. La joie. Tout est pourri. Je sais pas, des travaux sur les routes. Les voitures. Ah, ça peut être les... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle là, je sais pas, j'ai vu plein de voitures, plein de tracteurs, ça, je vous en avais parlé déjà. Bon, des travaux. Ou alors, est-ce qu'ils vont manifester par rapport... Alors, c'est quoi, ça? C'est marrant, j'ai l'impression qu'on va encore s'en prendre à une église. Hein. Ouais. En tout cas, ça va foutre... Ou alors, il y a un bâtiment, je pense hein, que c'est une église, qui pourrait dégringoler, s'effondrer, tu vois. Ça pourrait foutre les jetons, quoi, parce que oui, c'est un bâtiment qui s'écroule comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une église, hein, je dis ça. La grand-mère, je ne sais pas de qui on parle, là, vous voyez. Qui c'est que ça pourrait être, ça? Peut-être qu'il va se passer quelque chose en Angleterre aussi. En Angleterre, peut-être. Un truc qui s'effondre, qui s'écroule. Parce que je ne vois pas qui c'est que... C'est qui? Il y a des vieilles... Qui c'est que ça pourrait être, ça? Soit c'est une église, soit on parle de l'Angleterre. Un truc qui s'effondre, qui s'écroule. Ah, mais c'est peut-être aussi... Oui, ça pourrait être la famille royale qui s'écroule. Hein. Tout est... Ouais. Voilà, on va voir ça. Je vais voir si je prends un truc comme ça. Juste pour celle-là. Encore? Oh, et donc, la destinée, décidément. Bon, ça, c'est les prêtres. Les prêtres qui ne sont pas contents par rapport au pape. Parce que bon, il a donné l'autorisation, je crois que c'est aux homos, c'est ça, de se marier ou un truc comme ça. Enfin, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a du remue-ménage. Hein. Il va y avoir du remue-ménage. Hein. Ouais, avec le pape. C'est lié. Du remue-ménage. Au Vatican. Ouais, d'accord. Ouais. C'est mondial, c'est... Là, on veut s'approprier les terres de la Palestine, hein, tout simplement. Mais c'est mondial. Alors, de toute façon, je crois que c'est ça qui est terrible. C'est qu'on... Je veux dire, si tous les gens ne s'y mettent pas tous ensemble pour dire stop, je veux dire, ils sont tous dans le même truc, quoi. Tu vois, voilà.
Ou alors ils sont tenus aussi, eux aussi, donc ils peuvent pas trop bouger, ils peuvent pas trop dire ce qu'ils pensent, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment, hein, à la guerre qui se passe, comment dire, ils sont tous de mèche. Voilà. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as beau crier, stop, nanana, mais bon, non, ils sont tous comme ça. C'est ça le truc. Des voitures, et ça doit être les... Comment ça s'appelle? Les paysans, c'est pas ça? Oh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, en tous les cas, c'est pas terminé, et ça recommence. La Russie. Ah ah. La Russie, c'est... Alors, est-ce... Ah, c'est peut-être le... Enfin, la Russie, la Chine, l'Iran, le Japon, il y a quand même un de ces trois pays que je viens de citer qui, bien évidemment, alors je pense que puisqu'on me met, double face, ça doit être, fais voir, c'est peut-être l'Iran qui se prépare à la guerre. Hein. Le feu, ah ah. Alors, il y a des terres qui vont être brûlées, je ne sais pas où. La justice est là. Soit, alors là, je répète, je pense que, là aussi, je pense à la liste d'Epstein. Peut-être qu'il va y avoir aussi du remue-ménage par rapport à la justice. Alors, est-ce que dans la voyance précédente, je vous ai dit peut-être que le gros va être dégagé de l'Élysée, comment il s'appelle, Dupond-Moretti. Il y a peut-être ça aussi, peut-être qu'il va y avoir des changements dans la justice. Je ne sais pas, ils vont changer des trucs. Hein. Il y a des choses qui vont changer de toute façon. Ça, c'est obligado, porte-maillot. Il y a des choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer. Tout va être chamboulé. Le monde d'avant n'existe plus. Hein. Là, ils vont refaire tout comme ils veulent, à leur sauce. Tu n'auras plus le droit de moufter. Ils vont faire comme ils veulent. Et indépendamment de ça, il y a aussi... peut-être des gens qui vont être arrêtés parce qu'ils vont foutre le feu et ils vont se faire gauler. Ils vont foutre le feu, je ne sais pas où, à des têtes, hein, a priori. Mais ils vont être traînés devant la justice. Je vous avais dit, en plus, juste avant, je vous avais dit que cette année, c'était l'année de la justice, justement, que tout ce qui avait bloqué jusqu'en 2023, là, en 2024, ça allait exploser. Putain, un jour après, je vois l'affaire Epstein, je vois ceci, je vois cela, enfin tout. Aussi, comment il s'appelle, celui, sa femme a eu CrossFit Jacob, vous savez. Voilà, c'est sorti là, celles qui s'étaient fait picouser pour le coco, et qu'au final, c'est bien, a priori, hein, c'est bien à cause du vaccin qu'elle a eu la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Donc là aussi, c'est sorti là, il y a un jour ou deux, tu vois. Donc là, ça sort bien, c'est-à-dire ça a été reconnu par les laboratoires que c'est effectivement un effet secondaire, tu vois. Donc là, c'est chaud, mes amis, c'est chaud. Et ça ne va pas arrêter. Hein. 2024, c'est tous les trucs de justice, tout ce qui est bloqué avant, ça va sortir. Tout sort, en fait, là, ça commence. Alors, c'est quoi, ça? Je ne sais pas. On verra bien. Ça va sortir. Je n'ai plus le voir, moi. Bon, encore pas mal de drogue. Alors, c'est tombé sur Mr. Macron, n'est-ce pas? Pas mal de... Alors, avec l'Afrique, je pense qu'il y a un truc... Alors, soit il y a des bateaux ou j'en sais rien, des trucs qui sont surveillés, qui viennent d'Afrique, qui proviennent d'Afrique. Mais en tous les cas, il y a un paquet de drogues. Ou alors, je pense qu'on va avoir des révélations encore sur des gens au gouvernement qui se... Ah, oh, ben oui. Qui s'en mettent plein les narines, mes amis. Hein? Non, mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Hein? Qui s'en mettent plein les narines. Voilà. Donc, je pense qu'on va apprendre des choses comme ça encore, tu vois. Alors, ah oui, là, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un vent. Alors, c'est peut-être un vent de panique, hein, ou alors c'est une tornade aux États-Unis. Il pourrait y avoir une tornade sur le continent américain, parce que les États-Unis, voilà, mais sur le continent américain, soit une tornade, soit c'est au sens propre, soit c'est au sens figuré.
bah, à savoir que ça va déménager. Ça va déménager, mes amis. Ouais. Ah, l'empêchement pour... Oui, bah pour l'amour. Je ne sais pas de qui on parle. Et pourquoi on me parle de ça ? Je ne sais pas. On s'en fout. On s'en fout. Oh, bah dites-moi. Oh, bah dites-moi. Alors là, c'est extraordinaire quand même. Parce que là, il y a un paquet de thunes qui est planqué, mes amis, d'accord, sur une île. Ce ne serait pas l'île d'Epstein ? Je vous pose la question. Hein. Mais c'est marrant parce que ça c'est il y a le président et la présidente. Donc là, quand même, on me parle d'argent planqué, beaucoup d'argent sur une île. D'accord ? Je pense qu'on va entendre parler de ça incessamment sous peu. En tous les cas, si on n'entend pas parler, je peux vous dire que là, ils me le disent. Hein. Alors, je pense que cet argent appartient à un gouvernement XY. Je ne dis pas que c'est en France, mais je le dis quand même. Planqué sur une île. Hein. Un paquet de pognon. Hein. Et ça, c'est un couple. Hein. Incroyable. De l'or. Alors, ou alors, à moins qu'on trouve un trésor sur une île. Mais si ce n'est pas l'île des, hein, de machin, là... Je ne sais pas. Donc, c'est malaise. Hein. Retournement de situation, ça, je pense que c'est Trump. Retournement de situation, beaucoup de... Ça va être chaud aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est les éclairs, l'orage et tout. Je pense qu'il y a une grosse colère qui se prépare quand même. Une grosse colère. À moins que ce soit, ça pourrait être aussi, comment il s'appelle, Poutine, hein, ou l'autre. Hein. Oh, Poutine, ma ninouille, ma petite ninouille. Alors, tiens donc, bon, c'est bizarre ça. Bon, il y a un pacte assez diabolique, qui se fait toujours, ça tombe sur Mister. Il y a un pacte assez... il y a une tromperie. On nous parle d'une tromperie par rapport à un pacte. Mais c'est bizarre parce que c'est un rapport avec la prison. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en prison et que Mistigri rend visite de temps en temps. Tu vois, je ne sais pas, j'ai toujours vu aller rendre visite à... Ça fait longtemps que je vous le dis. Hein, j'ai toujours vu, en tous les cas, Macron aller rendre visite à quelqu'un en prison. Vous voyez, comme si c'était le masque de fer. Vous savez, à l'époque, là, où il y avait son frère, l'autre, il avait un masque de fer, il était enfermé toute sa vie. Donc, il y a un truc comme ça, j'ai l'impression qu'il se rend souvent dans une prison, voir quelqu'un. C'est bizarre, hein, mais je vous le dis. Mais, bon, il y a une tromperie, en tous les cas, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il rend visite à quelqu'un en prison? Je ne sais pas. Il y a une espèce de pacte, ou tout simplement, bien évidemment, au sens large, au sens... Ça va plutôt être des nouvelles donnes pour les prisons, un truc comme ça. Ah, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est qui ? Ça me parle de qui, là ? Parce que là, ça, quand même, c'est chaud, pas fatigué. Attends, deux secondes, je vais prendre le rouge et le noir. Alors, vous êtes nombreuses à l'avoir pris. Donc, je refais ma petite pub. Hein. Vous avez vu, il y a tous mes oracles qui sont sur... la boutique, et ça, c'est le dernier. C'est le rouge et le noir. On ne voit pas bien ici, mais c'est pas grave. Je vais quand même voir si... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est pas beau ce que je vois. C'est pas beau, mais c'est pour qui? On ne dit rien. Hein. Je pense qu'il y a un décès là, bientôt, mais je ne sais pas de qui. Il y a un décès, voir un meurtre, n'est-ce pas? Mais de qui? Ah, oh, mon Dieu, quelle horreur! Ah, oh, mon Dieu, quelle horreur! Ah, oh, non! Oh, ben non! Ah, oh, mon Dieu, horrible! Ah, peut-être qu'on parle de ce qui se passe là-bas. Hein. C'est possible aussi. Ah, hein. Oh, ben dis donc! De très vilaine carte, hein. Berk.
Bon, bah écoutez, hein. Comme je l'avais dit au tout début, faites attention aux enfants. Très attention aux enfants. Il y a des sacrifices de gosses, c'est un truc de malade. Alors, tiens donc, c'est qui ça? Alors, on dirait qu'il y a un petit groupe de manifestants qui prennent l'avion. Hein. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Une manif dans un avion? C'est possible, ça? Bon, un truc comme ça. Ouais, des gens qui revendiquent quelque chose, mais dans un avion, apparemment. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Donc, il y a cette possibilité-là. Et il y a aussi des contrats par rapport aux avions aussi, des contrats. Alors, est-ce que ce sont des trucs de guerre, des avions de guerre, vous savez, des bombardiers, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, il y a des contrats. En tous les cas, de toute façon, oui, hein, puisqu'on est en temps de guerre, tout ce qui va être aviation, la marine aussi, les bateaux, tout ça, ça va se vendre. Hein, ça se vend comme des petits pains, hélas. Ah, oui. Cher en plus. Hein. Ah bon? C'est quoi ça? Je sais pas. Bizarre ça. C'est pourquoi bizarre cette configuration de carte, c'est bien la première fois que je les ai. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors attends, je vais enlever celui-là. Peut-être de faire un petit peu de réserve, hein, puisque 2024, ça va être chaud patate. Donc, oui, je vais vous le dire quand même. Oui, faites un petit peu de réserve comme ça, vite fait, bien fait. Alors, les médias, des nouvelles, des choses assez surprenantes. Peut-être qu'on va entendre parler d'un journaliste, hein, vous voyez. Est-ce qu'il va y avoir des révélations sur des journalistes ou un journaliste? C'est possible. Truc comme ça. Bon, en tous les cas, on en entendra parler quoi qu'il arrive, hein. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai terminé mon petit tour, ma petite actu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. On continue d'avancer. Là, je vais aller rendre mes clés. Et puis, je vous tiens au courant de tout. Cette semaine, hein, de toute façon, vous me revoyez parce qu'il faut que je fasse des vidéos, là, un petit peu quand même, hein. Parce que depuis quelques semaines, même depuis 2023, j'en faisais pas tellement. Donc là, il faut que je me rattrape. Je vous fais des gros bisous. Je vous like. Et likez-moi aussi. Likez mes vidéos pour qu'elles soient vues, partagées. Voilà, comme d'habitude. Hein. Oui, comme ça, ça fait un peu monter le truc. Non, puis c'est tout. C'est tout. Écoutez, bonne année encore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mes amis, bien le... Non. Pas encore. Mes amis... Bien le bonjour et bien, je ne sais pas quelle heure vous allez me prendre. Bonne nuit, bonjour, au revoir, bisous, à bientôt.